Vous l'avez vu au titre, vous allez comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Je sais vraiment pas comment va se terminer et comment va se dérouler cette vidéo. Oh, les gars! Oh, il s'est passé un... Oh non, fallait pas que ça arrive maintenant. Je le sens très mal. Donc, très clairement, j'ai peur. J'ai très très peur. tu vois, je rigole, mais c'est nerveux. Tu vois, je sens que ça va pas aller du tout là, cette vidéo. Je le sens très très mal. Je le sens très mal. Je sais même pas déjà où me couper les cheveux dans mon appart. Mais je pense que la qualité audio va pas être ouf. Parce que du coup, vu que c'est dans ma salle de bain et qu'elle est petite, il va y avoir un peu résonance. Donc je m'excuse à l'avance si la qualité audio est pas ouf. Du coup, je vous laisse avec la coupe. Je vous montre vite fait avant que je passe avec ma caméra pour la coiffure. Je vous montre un petit peu. Je vous fais un petit tour comme ça là. Hop, je vous montre de ce côté comme ça. Je vous montre de l'autre côté. Très clairement, c'est la sauce. Hein. On va pas se mentir, c'est la sauce. J'ai. Covid. J'ai très peur. J'ai très très peur. Donc voilà, je vais vous montrer mes cheveux. Je vais mouiller tout ça avant. Et après, on va essayer d'aller voir d'abord un tuto de Airtist. Airtist Paris qu'il avait déjà fait. Donc on va aller voir ça. On va aller voir le tuto, comment il se déroule. Et après, on va essayer de se débrouiller pour couper nos cheveux au mieux qu'on peut. Hein. Donc du coup, première étape, les gars, c'est de se mouiller les cheveux, etc. Et on va essayer de s'attacher le haut pour essayer de pouvoir couper les côtés correctement. Donc voilà, les gars, mes cheveux ils sont tout mouillés. Je vais essayer de les attacher. Je vais essayer de me coiffer correctement d'abord. Et je vais essayer de les attacher ceux du haut pour pas que je les coupe. Parce que si je les coupe à la même longueur que ceux du bas, il va y avoir problème. Je vais finir en boule à Z. Donc du coup, je vais essayer de faire un truc de ce style-là. J'attache ça avec un élastique genre normal. Hein. J'ai pas de copine donc elle a pas d'élastique à me prêter parce que j'en ai pas. Et je vois pas pourquoi j'aurais d'élastique. Ok. Là ça a l'air pas trop mal. Bon là si c'est le moment de cliquer. Je vois ma tête, c'est trop drôle. C'est le moment de clipper les gars si vous voulez voir ma coupe bien avant qu'il y ait un carnage. Et il faut qu'on commence à couper. Let's go, c'est parti pour le coupage. Donc du coup, bah vas-y, let's go, hein, c'est parti. On va commencer à couper. Ok, alors attendez. J'arrive pas à choper les cheveux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous pensez que ça va être un carnage ou pas les cheveux. Parce que là, j'y vais doucement, j'y vais étape par étape. Donc voilà, je vais vous mettre des petits accélérés comme ça, vous allez pouvoir skipper un petit peu au fur et à mesure, voir les avancées. Ok, bon, je pense que pour le 15, c'est pas trop mal. Je pense que ça va, c'est coupé un peu pas mal sur le côté là. Ça va, je vois que j'ai quand même coupé au moins ça sur le côté. Donc c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tracer vite fait ma ligne à blanc. Donc là, ça va être le moment le plus important. J'ai vu qu'Artist disait qu'il faut bien tenir sa tondeuse comme ça pour faire son trait. Donc écoutez, bon, on va voir. Je vais essayer de le faire au fur et à mesure de plus en plus bas et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Bon les gars, il faut savoir que c'est super chaud de tracer sa ligne. Moi, la mienne. Faut vraiment savoir que c'est super chaud de tracer sa ligne. Moi, la mienne, vous la voyez au loin là-bas, mais je vais vous montrer. Je sais pas trop comment vous allez la voir, si vous allez bien la voir ou pas. Mais genre, en gros, ma ligne, pour l'instant, de ce que je vois, ça a l'air carré. Mais de toute façon, après, il va y avoir le dégradé, donc ça a bougé. Vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Bon ok les gars, bon pour ma ligne, bon je vais vous montrer comment ça fait, je vais vous faire un tour comme ça vite fait, hop, normalement on devrait voir, donc là ici il y a des problèmes de raccord, mais je vais couper en dessous pour essayer de voir comment ça fait, parce que là je suis un peu paumé et j'ai du mal, donc je vais tout couper sur le dessous là, tout ce qui était à blanc je vais le couper, et comme ça je vais pouvoir voir où c'est que j'ai à modifier.
Bon, du coup, les gars, j'ai coupé à blanc toute la ligne que j'avais faite. Donc, derrière, ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Genre, la ligne à blanc, c'était compliqué, mais vas-y. Let's go, je vous montre. Hop, je vous fais un petit tour. Comme ça, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Il y a quelques petits ratés ici que j'avoue qu'il faut que je coupe ça, là, un peu. Hein. Mais en vrai, c'est pas dégueu pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas dégueu pour quelqu'un qui se coupe les cheveux pour la première fois tout seul de derrière, c'est pas dégueu. Donc du coup, pour casser cette barre, il casse à 4 mm et après, il reprend le 3 mm pour casser encore sa barre. Bon, du coup, les gars, ça commence à prendre forme, sachant que j'ai du mal à casser ces barres là. J'ai du mal à les casser, heureusement j'ai encore un plus petit sabot pour pouvoir casser cette petite barre qui est ici là. Mais pour celle qui est du haut, j'ai du mal à casser. En fait, ce qui est chiant, c'est que je sais pas si vous voyez, mais en gros, la barre, on la voit bien ici. Et après, là, on n'arrive pas à la voir ici là. Là, je pense qu'il faut que je recoupe à 6 parce que je pense que ça se voit pas assez. Donc, il faut que je me remette à 6 pour la couper vraiment et que je casse cette barre entre le blanc et le noir. Parce que là, je pense que j'ai peut-être raté un peu le 6. Du coup, il faut que je le refasse. Et de ce côté-là, je crois que c'est pareil. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est un peu pareil de ce côté-là. J'ai oublié de couper en 6 et en fait, j'ose pas là. Je vois pas où c'est que je coupe. Donc, c'est compliqué là. Là, c'est vraiment, je suis dans un angle mort là. Genre comme les voitures, c'est la même chose. Et ça commence à me gratter et c'est pas bon signe ça. Voilà, du coup, j'ai essayé de casser un peu, faire rejoindre un petit peu les deux côtés. Et en vrai, le plus long, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment le côté où il faut faire le dégradé. C'est vraiment très, très compliqué. C'est très compliqué, donc je vais faire un tour comme ça pour vous regarder bien. Et moi, comme ça, je pourrai regarder aussi le retour de ce que ça donne. Toc. Il y a quelques ratés peut-être à revoir. Et voilà. Les gars, je viens de regarder le retour, mais c'est horrible, mais c'est honteux ce qui se passe. Genre moi là comme ça paraît super stylé, hein. Mais c'est dégueulasse. Oh là 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 là, le carnage. Bon, vas-y, on continue. De toute façon, on est lancé, donc on continue. Let's go. Oh, les gars. Oh, il s'est passé un. Oh non, fallait pas que ça arrive maintenant. Oh. Les gars, il vient de se passer un. Oh non, il s'est passé le pire truc. Le truc pour tenir les sabots là, ce truc là, là ça c'est un sabot. Le truc pour tenir le sabot, ce que je pose sur mon ça là. Regardez, il s'est cassé. Non. Oh non, j'ai cassé mon. Je peux plus mettre de sabot. Oh là, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde sévère là. Hein. Je peux plus mettre de sabots. Oh non, je peux pas rester comme ça. Bon, heureusement, j'ai quand même déjà coupé pas mal, mais oh, je vais essayer de finir comme ça. Hein. J'ai plus de sabots là. Là, j'ai plus de sabots. Je peux plus mettre de sabots. Je peux rien mettre. À part le tenir comme ça à la main, je vois pas comment je pourrais terminer le travail là. Oh là, je suis dans la merde. Hein. Là, désolé les gars, mais je suis vraiment dans la merde. Hein. Je vais être obligé de tenir comme ça là. Oh, je suis dans la merde. Bon les gars, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure et je pense que je vais m'arrêter là parce que là ça craint. C'est pas dégueulasse encore comme résultat. C'est pas dégueu sur les côtés, c'est clean de ouf sur les côtés, c'est super stylé. Mais je le sens pas, derrière je peux pas. J'ai plus de sabots derrière. Nani ? Et genre en gros, je peux pas faire un petit dégradé propre là. Donc je pense qu'il y a plein de marches, c'est honteux ce qui se passe. C'est honteux ce qui se passe. YouTube, je suis désolé. Hein. YouTube, je suis vraiment désolé. Hein. Bon, du coup, pour le dessus, je sais comment on fait, mais vas-y, faut que je coupe légèrement. Donc vers ici à peu près, ça pourrait être pas mal. Genre là, si je coupe comme ça là, ça pourrait être pas mal. Non, en vrai de vrai, je sais comment on fait avec le ciseau et tout, donc ça devrait aller.
Mais putain, ça me fait chier pour mon dégradé en vrai. Je vais couper tout ça, les gars. Hop, attendez, je vais recadrer un petit peu quand même. Je vous coupe tout ça. Je vous coupe tout ça, du coup, et je vous mets en accéléré pour que vous regardiez un petit peu. Bon, les gars, j'ai terminé. Ça a été compliqué, hein. J'ai coupé le dessus, etc. J'ai pas encore pris ma douche, il va falloir que je la prenne. Je viens de retirer tous les cheveux qu'il y avait dans la salle de bain, donc c'était un peu la galère. Bah clairement je suis obligé de m'arrêter là parce que bah du coup la tondeuse a lâché. Mais je suis pas trop déçu de mon résultat. Je trouve que je me suis vraiment bien débrouillé par rapport à Michou qui a fait un petit peu une galère. C'est pour ça que je vous montre pas, je vais vous montrer est-ce que vous pensez que c'est vraiment éclaté ou pas du tout. Je vais vous faire un petit tour, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go. Et bah voilà les gars, c'est le plus que je pouvais faire. En vrai c'est pas dégueu. J'ai réussi à bien réussir à les dégrader sur les côtés. Je vous avoue que c'est stylé de ouf. Sur les côtés, j'ai réussi, à part ce côté-là où il y a peut-être encore une petite marche, mais je ne vais pas trop faire le fou. De ce côté-là, j'ai réussi à bien casser la marche. Mais ce qui craint de ouf, les gars, bah, c'est le derrière. C'est le derrière, bien évidemment. Donc, vous inquiétez pas, j'ai trouvé une astuce. C'est que, voilà, regardez, hop. J'ai trouvé une astuce. Elle est là quand je sortirai pour aller faire mes courses, puisqu'on est en confinement et on peut sortir que pour faire ça. Attention à tous ceux qui sortent, hein, d'ailleurs, les gars. Restez chez vous, au moins pour vos parents. Pensez au moins à vos parents, tu vois. Donc, du coup, pour le derrière, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de caler le téléphone. Donc, du coup, pour le derrière, je vais vous montrer. Alors, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça du tout. C'est éclaté. Il y a plein de trucs. Il y a plein de défauts. Vous voyez un petit peu derrière. Il y a plein de défauts. Mais bon, écoutez, j'ai fait du mieux que je pouvais. Moi, je me suis amusé quand même à la faire. J'espère que vous êtes amusé à regarder. J'espère que vous avez rigolé d'ailleurs en regardant cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu d'ailleurs avant la fin. Avant le petit derrière qui est catastrophique, je tiens à le dire. Je vais l'écrire ici, catastrophique. C'est horrible. Vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Regardez-moi ça là. Il y a un raté là. Ici, il y a un pseudo-trait là qui a commencé à se former. Là, il y a plein de marches, il y a plein de défauts, mais voilà, c'est comme ça. Mais bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, les gars. Moi, ça m'a fait rire de la tournée, j'avoue, j'étais très concentré toute la vidéo. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao, c'était Sonic Stag, les gars, bisous, je vous aime.